Oui. Recule, tu veux ? Salut. Salut. Vérifie juste la suspension. Faut que le système hydraulique soit au top. Ça risque de secouer un max. Bien dormi ? Ça peut aller. Alors, t'as trouvé un plan ? Concernant Hellman ? Eh ben, figure-toi que oui. Regarde ça. Vas-y, je t'écoute. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la navie. Et le tournevis, c'est l'endroit où la navie devrait planter son nez dans le sol. Et là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde ? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navie. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là. Ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Une centrale EOS ? Ouais. Va falloir s'y introduire. Ok. Pas de soucis jusque-là. Et après ? Après, on frappe. On balance une IEM à la navie. Ouais, évidemment. Dès que la navie sera à portée, on créera une impulsion électromagnétique. L'électronique embarquée devrait griller direct. Ça veut dire quoi ? Ça arrêtera les moteurs ? Ça coupera tout, y compris les moteurs. La transmission, la navigation, les systèmes de com. Parfait. On y va. Super. Monte, s'appelle. La centrale, c'est à l'État ou à une corpo ? Qu'est-ce que ça change ? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement ? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. V, regarde autour de toi. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. T'aimes bien faire chier les corpos, hein ? Où t'es allé pêcher cette idée ? Non, attends. Je reformule. Rogue, Nash... Les Raffles... Et fais gaffe à ce que tu dis. T'aimes faire chier tout le monde, en fait. C'est une chance que je sois de ton côté, alors, tu crois pas ? Ah, je confirme. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies transporté ? Parce que moi, j'ai dû me trimballer un vrai iguane une fois. Sérieux ? Un iguane vivant ? Ouais. Quelqu'un l'avait endormi et fourré dans une glacière. Je sais pas pourquoi, mais ce boulot m'a rapporté un max. Et toi ? T'as mieux ? Le directeur financier adjoint de Caucase. Wow. Égalité, je dirais. Mort. Dans le coffre. Ok, tu gagnes. On est presque au barrage. On va faire un petit arrêt ici. On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. Branche-toi là. Je me connecte comment, avec ma liaison perso ? Tu vois un autre moyen ? Fais gaffe au jack. Faut le secouer un peu des fois. Voilà, c'est fait. Une seconde, on va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Je vais arranger ça. Et maintenant, Panam, voilà Johnny, en plein dans le trou du cul du monde. Ah, bien joué. Je crois que t'as un virus dans ton implant. Celui dans ta nuque. Je sais. Mais t'as pas à t'en faire. C'est pas dangereux du tout. Parle pour toi. Ce véhicule dispose juste d'un logiciel de sécurité de base. Si c'est un truc évolué... C'est rien de bien évolué. Plutôt le contraire, en fait. Ah, très drôle. Tu ferais bien d'aller voir un charcutoc quand tout sera fini. Oui, maman. Allez. Y a plus qu'à. Tu vois ce tas de merde ? Tire une courte rafale dessus.
Je vais m'occuper du calibrage. Bien. Cible suivante, une seule balle. Ok. Recommence. Une rafale plus longue. Parfait. Je crois que c'est bon. Pas trop mal, qu'est-ce que t'en dis? Le calibrage est bon, mais ton logiciel aurait besoin d'une bonne mise à jour. Le scanner, les contrôleurs... Tout a au moins 2 générations de retard. On trouve de la meilleure tech sur les étals du marché Opus de Kabuki. Je peux t'arranger ça si tu veux. Ouais, bah on verra. L'essentiel, c'est que ça marche maintenant. Alors, elle est où, cette centrale? Attends un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. On aura une bonne vue là-bas. Je veux juste m'assurer que la zone est dégagée. Saboter une centrale corpo, attaquer une navette corpo, enlever un enfoiré de corpo. T'aimes le son du mot corpo ou t'essaies de me dire un truc? Tu sais quoi? Tu commences à me rappeler quelqu'un. Moi, il y a 50 piges. Sans mon charisme, évidemment. Et ma troisième jambe. On pourrait bien s'entendre, finalement. Possible, t'as peut-être pas tort. Ce qu'on a vécu, ça a sans doute des répercussions. Tu me ressembles plus que tu crois. Tu verras. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que c'est toi qui me ressemble. Non, tu rêves. Ça a l'air bon. La zone est déserte. Je vois aucune patrouille. Le truc énorme, c'est l'unité de récupération. Et tu vois ces antennes? Chacune reçoit des micro-ondes des satellites en orbite, qui sont ensuite convertis en courant électrique. Mais il y en a tout le long de l'autoroute, de ces antennes. Ouais. Et c'est là que c'est malin. Elles sont reliées. Suffit qu'on plombe l'unité de récupération. Ça créera une réaction en chaîne et les antennes balanceront toute une IEM. La Navi va foncer comme une mouche dans une toile d'araignée. On n'aura qu'à déclencher l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Une fois à la centrale, je ferai une dérivation pour le détonateur. T'auras qu'à surcharger le système. Surcharger le système? Pas de soucis. Je commence quand? Enfin... C'est pas trop compliqué, j'espère. Normalement, non. Suffit de pousser tous les réglages à fond. Tout au max et au-delà. Ok, pigé. Bon, et maintenant? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de vol de la Navi. Ok. Ok, on peut y aller. T'as déjà tenté un coup de ce genre? Abattre une Navi? À moi seul? Non. Pourquoi tu demandes ça? On dirait que Rogue a raison. V. Elle dit que t'es doué, et elle a raison. Bah ouais, ça se pourrait bien. Mais on n'a pas encore eu la Navi. Alors évite de t'emballer avec ta copine Rogue. Tu sais quoi? Je crois que je t'ai démasqué. Ah ouais, tu crois? Tu préfères quoi? Réussir cette mission ou prouver à Rogue qu'elle avait tort? Je t'emmerde. Je ferai les deux. On y sera bientôt. Bon, je résume. On entre, on bousille le système, et on dégage vite fait. Accroche-toi! Ça risque de secouer un peu! Tiens-toi prêt! Ok, je suis prêt. Des drones! C'est bon, je m'en occupe. Dépêche! Avant qu'ils nous touchent! Et c'est tout? Ouais. Si on se grouille. Trouve les commandes. Je connecte le détonateur. Grouille V.
crois qu'on y est allé un peu fort, Panam. On va survivre. T'as vu ça? Toutes ces lumières qui clignotent. Un vrai sapin de Noël. Tu voulais que j'y aille à fond, t'es servi. Ouais. Bon allez, on se tire avant d'en faire les frais aussi. Tire-toi de là avant que la puce soit endommagée. Merci pour le conseil. Moi qui pensais m'installer pour pique-niquer et travailler... Je suis sérieux, fais gaffe. La prochaine pourrait... Johnny? Johnny? Putain de merde. Ça va, c'est bon, ça va. Mais fous le camp de là. Bon, il y aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur, alors? Il fonctionne? C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. On va s'installer sur cette falaise. On devrait avoir une bonne vue sur les antennes. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Ok. J'ai toujours rêvé d'appuyer sur le gros bouton rouge d'un machin comme ça. Quand est-ce qu'on se lance? T'inquiète, j'ai un œil dessus. Alors à mon signal, t'auras qu'à envoyer l'impulsion. Ils comprendront pas ce qui leur arrive. Ah, et au fait... Quoi? On s'apprête à cracher un appareil de Kang Tao qui vaut plusieurs millions d'édits. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Vous y avez des trucs, c'est pile ce que m'a conseillé le doc. Et c'est pile ce que je voulais entendre. Eh, dis donc. Quoi? C'est calme. Le bruit de la ville, les voix des gens, les odeurs... Y a plus rien de tout ça. Et avec le vent, c'est flagrant. Je crois que j'avais oublié le bruit du silence. Pour les odeurs, je sais pas. Les coyotes, ça pue quand même. Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta sertonne. Ah ah, je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la Navi. Ouvre l'œil. La voilà, elle arrive de Pacifica. Bon, tiens-toi prêt. Attends, encore une seconde. Vas-y. Boum, c'est parti. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Putain! Putain, manquait plus que ça. Dans le mille! Panam, les moteurs tournent toujours! Putain, ils se tirent! Ils iront nulle part. Ah, il faut qu'on les suive! Une petite seconde! Panam, qu'est-ce que tu fais? Perd de l'altitude. C'est bon, on l'a eu cet enfoiré. On y va. On l'a eu. Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit ils se posent, soit c'est le crash. Tu vois ce que je vois? Ouais, un pignon identifié. Perd de l'altitude. Mitch! Lâche là. Scorpion! Qu'est-ce que tu fous? Au générateur. Tuez, j'arrive dans pas long. La batterie Mitch devrait se régler. Scorpion, c'est Panam. Approchez pas d'Anavi. Je répète, approchez pas d'Anavi. Pas en route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Kang Tao! Attendez-moi! Non, mieux! Foutez le camp! Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpo. Ils m'entendent pas! L'impulsion fait des interférences, merde! J'ai trois points sur le radar. Des drones? Ouais, prépare-toi. Ils veulent nous ralentir! Ils peuvent toujours courir. Il faut qu'on rejoigne Mitch et Scorpion! Quelqu'un! C'est encore enrayé! Je vais régler ça! Accroche-toi! Je mets le pilotage auto! Putain de ta mère, il s'est enrayé! Ils sont derrière nous, Panam! Je sais!
Sam Docker, ils veulent pas s'ouvrir. Juste une seconde. Sam ! Talia, ça va. Bon, ça devrait marcher là. Pour l'instant, garde. Ça devrait faire l'affaire alors. Derrière cette colline. Oh, on toujours à ceci, moi. Oh, merde. Madame, ça va? Dans le ricochet. Tu peux continuer? C'est bon, t'inquiète. Je vais survivre. Et mon pote, t'es où? Eh oh, Scorpion! Continue de parler sur un canal ouvert. Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois. Non, mais sérieux, quoi. Un truc qui cloche, là. T'as entendu ces tirs? V, il leur est arrivé quelque chose. Viens, on va voir. Je vois les baves, mais pas de traces de Scorpion ou de Mitch. Périmé, on dirait. Tant pis. V, connecte-toi au drone. On va scanner la zone. Il faut qu'on se repère. C'est parti. Tu te connectes à la caméra? Ouais. S'ils ont eu les Aldes Caldos, s'ils ont eu Mitch et Scorpion, je pourrais pas... Je sais. Je suis connecté. J'ai le contrôle. Drone de combat, système de défense activé. Ils ont sécurisé la zone. Ils attendent des renforts. Merde! V, ça se présente assez mal. J'ai 5 Kang en patrouille. Si on approche trop. Mitch! Il est vivant! Ils les ont capturés! Et y a pas moyen de le détruire? Peut-être. Mais faut déjà l'atteindre. Sans ces putains d'interférences, j'aurais pu les prévenir! Tout ça, c'est ma faute! Mais pourquoi ils suivaient la navette, putain ? Quels abrutis ! Écoute, on a vu Mitch. Ils ont dû choper Scorpion aussi. On va les retrouver et les sortir de là. S'ils sont encore en vie. Je suis sûr que c'est le cas. Tout va bien se passer. Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche. Oh, t'as déjà bien morflé ! Dis pas de conneries, c'est qu'une égratignure. On va détruire ce lanceur. J'essaierai de... Non, tu restes dans la caisse. Je suis désolé, là, mais tu ferais que me ralentir. Mais putain, V ! Oh ! C'est ma famille qui se trouve Écoute, là-bas ! Je vais juste détruire ce lanceur. Je te préviens dès que c'est fait. Tu viendras m'aider pour le reste, d'accord ? Oui, chef. J'ai toujours le fusil de Mitch. Je vais essayer de te couvrir d'ici. Bonne idée.
On y va. Ils vont le regretter. Je vais vous sauver.
Ouvre la porte. Je te couvre. Jetez vos armes ou je tire! Je vous dis de jeter vos armes! Eh, hey, du calme! Maintenant! Il est pas trop tard, on peut encore tous s'en tirer en. Appelez les renforts! Mon... Est-ce que t'es blessé? Ouais, on fait rien. Bande d'abrutis de merde! Vas-y, bouge pas! Déployez ça! Derrière! On aurait pas pu se replier, Panam. Regroupez trop vite. Les roquettes se sont mises à pleuvoir. Je les ai tous perdus. Tous ? Scorpion ? Il est là ? Mitch ! Mitch ! Il va bien. Pas vrai ? Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Non ! Non ! T'en es sûr ? Non ! Pour Scorpion, les autres... Désolé qu'on soit pas arrivé plus tôt. Vous êtes des gens bien. Des gens super. Méritez pas de mourir ici. J'aurais dû l'arrêter. J'ai essayé. Il t'aurait pas écouté non plus. Écouter, ça a jamais été son truc. Putain, tête de mule. Oh, si vous étiez là, j'imagine que c'était pour la Navi. Mais qu'est-ce que vous lui vouliez ? Je veux le type qui était dans cette Navi. Tu sais quelque chose ? T'as vu un truc ? Ouais, ils l'ont emmené avec eux. Dans nos caisses. Où ça ? Vers l'ouest. Une petite unité. L'escorte de ton passager. Ils doivent chercher un moyen d'appeler leur base. C'est vous qui leur avez balancé cet IEM, alors ? Ouais, on a voulu vous prévenir, mais... pas moyen de se connecter. S'ils ont pris vos caisses, on devrait pouvoir suivre leurs traces. Je vais les poursuivre. Reste avec Mitch, je me débrouillerai. Je viens avec toi. Je t'ai promis de t'aider. Et puis, ces fils de chiens ont tué Scorpion. Je peux pas laisser passer ça. C'est pas discuté, V. Ça sert à rien. Allez-y. Je vais appeler le clan. On va faire ce qu'il faut ici. On laisse ma caisse ici, au cas où. Fais juste gaffe avec la mitrailleuse, elle a tendance à s'enrayer. On va y aller à moto. Ouais, ça marche. Keng Tao a perdu le contact avec sa Navi. Ils sont sûrement à sa recherche. Dépêchez-vous! Madame. Ouais. Tu reviendras la chercher, hein? C'est promis. Faut y aller, avant qu'ils envoient une équipe de secours. Écoute, pour Scorpion et les autres, je sais ce que tu ressens. Vraiment. Je vais t'aider à régler tes comptes avec Keng Tao. Je vais les massacrer, V. Tous, jusqu'au dernier. On est dans la même galère. Et on ira jusqu'au bout. Tu sais quoi, V? T'es réglo. Tu m'as aidé avec Nash, et avec Mitch. Moi, c'est clair, j'ai une dette envers toi. Ton Hellman. Je vais te le trouver. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux juste payer ta dette? Non. Les nomades aident toujours. Oh, parce que je suis un des vôtres, maintenant. C'est cool. Allez, en route. J'espère qu'ils sont pas allés loin. On verra bien. Les traces de pneus commencent là. On va les suivre. Ils sont passés par là. Tu les vois ? Ok, y a plus qu'à suivre les traces. Regarde, de tout
toujours en vie. Et il te reste quelques trucs à régler. Ce que je vois... Tu comprends. Ils ont dû emmener Hellman avec eux. Ils arrivent. Joli coup, V. Bien joué. Alors faut qu'on se magne. J'ai laissé quelques gars à la piste, les autres sont partis avec Hellman. J'aurais fait pareil. Ils veulent contacter leur base. Ils ont sûrement aucune envie de traverser le désert sans report. J'espère que Mitch a contacté les Altecaldos. Putain, l'interférence. Ils vont aller l'aider, t'en fais pas. Tu sais quoi? Quoi? C'est le résumé de ma vie, ça. Je me sors d'une merde juste pour me fourrer dans une merde. Ces traces mènent à une ancienne station-service après la mine. Je parie que c'est là qui retient Hellman. Je vois. Ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part. Hé, hey, tu vois ça, V? Les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le cas dans une station fermée. Ces enculés ont peut-être appelé des renforts. On va le savoir très vite. Fais gaffe, V! Thank you.
fait qu'aggraver ton cas. Vous allez crever ici, bande de fils de pute. On a subi de lourdes pertes.
Allez, on fonce!
Qui vous envoie ? Hé, du calme. Faut qu'on cause. De qui ? Yorinobu Arasaka ? Vous êtes là pour me ramener ou... Ce pauvre rat a plus personne vers qui se tourner. Il est à court d'options. Allez, ferme-lui sa putain de gueule. Ça a rien de personnel. Si je me rappelle bien, t'étais censé prévenir Takemura quant au Railman. Une seconde. C'est bon, je l'appelle. Oublie pas que tu tiens Hellman, et que c'est un sacré atout. Essaye d'en tirer quelque chose. Takemura m'a sauvé la vie, t'as oublié ? Parce que c'était dans son putain d'intérêt, tout ça. C'est que du business. Et c'est pas ton ami. Takemura, bonne nouvelle. J'ai Hellman. Il est vivant ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a envie, ouais. Mais il cause pas trop, là. Je l'emmène au Sunset Motel. Je vous y rejoins. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'arrive. Entendu. Au revoir. Vaut mieux l'emmener dans un endroit tranquille pour causer. T'as raison. On dirait que tes nouveaux chumpas sont là. C'est lui ? Aucun doute. Emmène-le dehors. Fous-le sur la moto. Bouge pas de là. La cavalerie est là. Mitch a rassemblé quelques sales décaldos. R.A.S. Personne nous a repérés sur la route. Mais vaut mieux pas traîner dans le coin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? J'ai juste quelques questions importantes à lui poser. J'espère que ses réponses en vaudront la peine. Saul. On a terminé ici. Rien à signaler. Il paraît que c'est grâce à toi si Mitch est en vie. C'est aussi grâce à Panam. Elle aussi, elle a sauvé mon cul. J'espère qu'il en valait la peine. Saul, j'ai essayé de prévenir Scorpion, mais... Je peux faire quelque chose, me rendre utile ? Je crois que t'en as assez fait. J'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. Casse-toi ! Montre que t'en as rien à foutre ! C'est tout ce que tu sais faire, hein ? Saul, c'est vraiment pas la faute de Panam, tu sais. Attention. Je suis pas ton pote, d'accord ? En plus, personne reproche rien à personne. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Panam faisait que m'aider. C'est ma faute. C'est moi qui ai fait tomber cette navie. Sans ça, Scorpion et ses gars seraient pas allés la piller. C'est la vérité. Quand on est un Aldecaldo, on est toujours responsable de soi et des siens. Les circonstances n'y changent rien. Panam devrait peut-être se demander si elle est toujours une Aldecaldo. Content de te voir, Mitch, mais... Qu'est-ce que tu fous là ? C'est Saul. Il est venu avec nos gars. On s'est occupé des corps. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et alors, il nous a dit de vous suivre. Il avait peur qu'il vous arrive quelque chose. À toi et à Panam. Saul ? Écoute, c'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Saul est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille ? Tu sais bien que oui. Reviens avec nous. Je comprends. Désolée que t'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Très compliquées, en fait. Mais je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi, ok ? Bon, ben voilà. On se dit à plus. Ils arrivent. Vous avez une minute. On dégage. A plus. Prends soin de la moto de Scorpion. Elle est à toi maintenant. Je suis où, là ? Je veux qu'on cause de ta c'est petite quoi, invention. C'est quoi, cet endroit ? Biopuce pour Arasaka. D'accord. Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie ? Non. Vous devez donc avoir une offre à me faire.
Si votre boss paye mieux que Kang Tao, je crois qu'on peut parler. Y a personne qui m'envoie. J'ai un problème et tu vas m'aider. Et je peux savoir quel est le rapport avec la biopuce ? J'ai le construct de Silverhand dans le crâne. Il est en train de me rendre dingue. Et je sais que ça fera qu'empirer. Sauf si je l'enlève. Elle parle pas de ça, les pubs que j'ai vues. Même en petit caractère. Construct de Silverhand ? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce ? C'est compliqué. Si Arasaka me retrouve, je suis mort. Et vous aussi. Alors, on a tout notre temps. Et puis, ça m'intéresse. Vraiment. Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui as fabriqué ce truc, non ? Alors c'est quoi le problème ? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce prototype ? Un engramme différent ? Quelque chose de plus... conscient ? Agressif ? C'est la biopuce qui est unique, pas l'engramme de Silverhand. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes pré-enregistrés. Et c'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Ouais, super, ta tech fonctionne. Maintenant, tu la vires de ma tête. Eh ben... il faut d'abord que je la voie. Voilà, on se connaît à peine. J'ai pas encore assez confiance en toi. Comment vous envisagiez les choses, au juste ? Si vous voulez que je vous aide, je dois vous examiner. Ok. Incroyable. On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Alors, comment m'en débarrasser ? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire... Ouh, oh, c'est parti pour les négociations. C'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Il se passe quoi dans ma tête, au juste ? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités ? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Silverhand. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du construct sur les décisions que vous prenez ? C'est bon, t'as fini ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins, pour celui que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire, qui plus est. Putain, qui c'est qui essaye de t'embrouiller le cerveau, là ? Voilà pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Au moins, Johnny a jamais vendu son cul, pas comme toi. Vous le défendez ? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent ? Oh, que je devine, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit instant. Non, et ça te dirait pas ? Ça pourrait être amusant. Johnny ! Je plaisante. Mais fais gaffe, ce costard essaie de te retourner le cerveau. C'est quoi, ça suffit ? T'essaies juste de gagner du temps ou quoi ? J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien ? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête, et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao.
oublie Kang Tao. T'as pas de meilleure idée? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Kang Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous? Il a intérêt. Ce couillon ne nous sert à rien, sinon. V. Takemura? Bordel, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il saura peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. C'est mieux que rien. À condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Il est à toi. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça dans votre intérêt. V, je ne l'oublierai pas. Oh, quelle chaleur. J'ai la gorge complètement respirée. T'as vu? Putain, mais regarde-moi ça. C'est inacceptable. Inhumain. Quelle bande d'enculés! Allez, foutons le camp d'ici. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Je vois bien qu'il y a un truc qui te trotte dans la tête. Ça fait un moment que j'essaye de te comprendre. De savoir quel genre de personne t'es. Au début, je croyais que t'avais la poisse. Mais je t'ai bien observé. Et j'ai trouvé ce que c'est, ton problème. T'étais un gosse des Badlands. Toujours à te reposer sur ta famille. Mais ici, à Night City, t'es personne. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur mon passé. Bah, j'ai eu des flashs de ton passé. Comme t'as eu des flashs du mien. Franchement, j'ai peur qu'un jour je fasse plus la différence entre tes souvenirs et les miens. Merde. On est deux, alors. Imagine, je devrais vivre en pensant que je me suis fait baiser la gueule par deux jaunes. Tu peux me dire ce que tu veux vraiment. Au fond de toi. Ton aide pour régler mes comptes avec Arasaka. C'est tout. Ce que tu veux, c'est anéantir Arasaka. Moi, c'est rester en vie. Ça me paraît être... deux buts bien précis. Mais ça se goupille pas mal. T'as besoin de Mikoshi pour sauver ta peau, mais quand ça sera fait, je pourrai la détruire. Encore ta croisade. Atteindre Mikoshi... anéantir le système. Bon. Je vais te dire pourquoi je veux détruire Arasaka, mais je le répéterai pas. Ça t'intéresse? Je t'écoute. J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau, et après ça de leur terre. Je les ai vus transformer Night City en machines alimentées par le désespoir des gens, leurs rêves brisés et leurs derniers édits. Les corpos contrôlent déjà nos vies et nous prennent tout. Mais maintenant, il leur faut nos âmes. T'as sûrement raison. Je peux pas dire le contraire. V, écoute-moi bien. J'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette lutte, c'est celle du peuple contre un système qui est complètement parti en couille. On se bat contre des forces qui sèment le chaos. Tu comprends ça? Johnny... Je suis prêt à tout pour les vaincre. On doit... et les arrêter. Je tuerai s'il le faut. Et si je dois m'emparer de ton corps... oh putain, mais je le ferai. Putain de merde! Tu comprends toujours pas, mais ça viendra un jour.